Hey, c'est YouTube, c'est Ultra. Le standard, c'est pas le mode de jeu actuellement qui fait le plus de sens, mais c'est toujours le mode de jeu le plus joué. Donc, je me sens de vous présenter 2-3 trucs à propos du standard. Et quand je vois un deck pour lequel j'ai quasiment tout, ça me donne envie de le jouer. Donc, on va s'amuser un petit peu, on va tester des trucs en standard. Mais il faut savoir que là, tout de suite. Dans 2 jours, il y a un Pro Tour à Seattle, je crois. Et je pense qu'il est en standard. Du coup, la méta va sans doute changer avec l'arrivée du Pro Tour. Parce que ça veut dire que la majorité des professionnels, actuellement, bah, ils sont pas sur Magic Arena à farmer des events. En plus, les gens qui sont forts et qui veulent farmer les Arena Championship, vu que celui de ce mois-ci, enfin, que le tournoi qualificatif de ce mois-ci sur Magic Arena est en draft. Il n'y a pas grand monde de forts qui jouent du standard actuellement. Voilà. Tout ça pour vous dire, du coup, que ce deck-ci n'est peut-être pas le meilleur deck du monde. Mais j'aime bien. Moi, j'aime bien les decks tribaux. J'aime bien les decks avec une famille de cartes. Ici, on a un tribal squelette, si je puis dire. Assez sympa. Avec les nouvelles cartes de Thunder Junction. Avec Giza que. J'ai vu en limité à 2 reprises et avec laquelle j'ai fait évidemment à 2 reprises 7 victoires parce que voilà, hein, c'est quelque chose cette carte. Vous avez plein de choses, mais surtout elle se suffit à elle-même. Donc il y a un énorme texte. Déjà, elle a parade 2. En plus de la parade 2, il faut que l'adversaire dépense 2 PV pour la tuer. Elle file un bonus aux squelettes et aux zombies que vous contrôlez. Spoiler alert, c'est la quasi-totalité de votre deck. Mais c'est la dernière partie du texte qui la rend intéressante, et c'est pour ça qu'elle est si forte en format limité, en draft ou en sealed. Eh bien, c'est parce qu'elle se suffit à elle-même à chaque fois que vous commettez un crime. Alors, un crime, c'est juste cibler votre adversaire ou n'importe quoi qu'il contrôle de son cimetière à ses terrains. Donc, c'est pour vous dire, un crime, vous en faites tout le temps. C'est. Magic est un état policier. Chaque truc que tu fais est un crime. Hors la loi, tout ça, je vous laisse mettre le sous-texte que vous voulez, je vais pas rentrer dans cette discussion. La carrière terminée après 2 jours, tu sais. Reconversion professionnelle sur Magic, bam. 2 jours, on introduit le concept d'état policier, on se fait jarter. Non, merci. Donc, elle crée 2 jetons de créatures 2-2, bleu et noir, zombie et gredin. Donc c'est un hors-la-loi parce que c'est un gredin, c'est un zombie, donc il a plus un de notre cher Giza. Et, eh bien, c'est du coup un zombie qui en plus a menace tant que Giza n'a pas été remove. Et Giza, pour la remove, faut payer 2 pour la parade, 2 pour les PV, et puis le coût du removal. Donc, si Giza arrive et vous faites exterminer le même tour, vous avez créé les zombies, vous avez... cette tempo, l'adversaire va vous tuer Giza, ok, il a perdu 2 PV, il a perdu 3 pour le coup du removal, on va dire, ou 2 pour le coup du removal, plus la parade, donc 4 au minimum. Donc généralement, il a payé le coup de Giza 2 PV et vous avez 2-2-2 supplémentaires. C'est la force de la carte. La force de la carte, c'est que l'adversaire ne peut pas la remove sans être perdant. On a Cadavre des Égarés à côté qui est un enchantement qui va donner plus 1-0 au squelette et en plus célérité. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, hein. Et vous pouvez le remonter dans votre main, hein. Si vous êtes descendu, donc si vous avez mis une créature, une carte dans votre cimetière, c'est une carte de permanent. Voilà, c'est pas toutes les cartes, c'est pas les rituels, les éphémères et tout, mais une carte de permanent est dans votre cimetière. Vous êtes descendu, vous pouvez remonter cet enchantement, le rejouer. Chaque fois que vous le rejouez. Vous activez du coup son effet qui est de créer un jeton de 2 noir squelette et pirate. Pirate, c'est un hors-la-loi, c'est important pour Thunder Junction. Et puis bah, squelette, c'est toujours buffé par Giza. Donc voilà, à côté de ça, vous avez l'affaire du squelette caché qui elle vient de Karlov Manor, l'extension précédente, avec un jeton de créature de 1 squelette suspecté donc. Quand il est suspect, il a la menace, donc il est difficile à bloquer. S'il est bloqué, vous ne contrôlez aucun squelette suspecté. Les autres squelettes ne sont pas suspectés, donc ça compte pas. Mais vous ne contrôlez aucun squelette suspecté. Boum boum, ça se résout. Vous pouvez aller chercher n'importe quelle carte de votre deck, c'est-à-dire vous pouvez aller chercher Giza. Incroyable.
À côté de ça, bah vous avez un squelette guerrier 2-1 pour 1. Vous avez un squelette gredin 2-2 pour 1. Vous avez un enchantement légendaire qui va forcer l'adversaire à se défausser d'une carte et eh bien qui va le forcer à se défausser une carte chaque fois que vous jouerez une créature légendaire. Or, des créatures légendaires, bah vous en avez 4 avec Tytos et puis vous en avez 4 avec Giza. Donc, ça se réactive encore relativement régulièrement. Voilà. Donc, c'est quand même pratique, hein. C'est quand même pratique. Et puis surtout, ils vont perdre un point de vie. Donc, vous leur meulez une carte, vous allez leur faire perdre un point de vie. Tytos, de son côté, est une 1-1 contact mortel qui est aussi un squelette et un hors-la-lonne. Vous voyez vraiment la synergie du deck, la logique du deck qui suit de A à Z. Et lui, à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pourrez lancer une carte de permanent non terrain ciblée depuis le cimetière de ce joueur et utiliser du mana de n'importe quel type. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de synergie au final avec Tytos ou avec Tytos le pickpocket dans le deck. C'est juste que, bah, étant des squelettes, ils gagnent plus 1-0 avec Cadavre des Égarés et ils gagnent la menace avec Giza, ce qui les rend difficiles à bloquer, hein, parce que un squelette avec contact mortel et menace, ça veut dire qu'il faut deux adversaires pour le bloquer, deux adversaires qui vont mourir des dégâts du contact mortel vu qu'il a deux d'attaque. Donc, ça va être problématique pour l'adversaire. Ça va être problématique pour l'adversaire qui n'a pas envie de mettre deux créatures dans un truc qui vous a coûté un mana. Hein. Au bout d'un moment, c'est pas très rentable. C'est pas très rentable. Si en plus de ça, ils ont perdu une carte et un PV parce que vous l'avez joué et qu'ensuite ils doivent perdre deux créas pour vous le tuer, ça va devenir vraiment compliqué à gérer pour l'adversaire. Le problème de votre deck, du coup, eh bien, il est très 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 simple. Vous vous en rendez peut-être compte. Il n'est pas directement contre mono red ou des aggros très frontaux, on va dire. Il est plus pour tout ce qui est swarm. Il faut savoir que le deuxième deck le plus joué en standard, et ce malgré l'extension, c'est toujours Boros Convoke, hein, qui est un gros deck swarm qui met beaucoup de créatures sur le terrain. Donc là, le problème de ce deck, bah, c'est ce genre de deck-là. Vous voyez, il n'y a pas d'AOE. Alors, il y en a quand vous jouez en BO3 et que vous avez un sideboard, mais quand on joue en BO1, bah, vous n'avez pas l'opportunité de mettre ça dans votre deck de base. Parce que le souci, c'est que ces cartes sont totalement inutiles contre n'importe quel deck contrôle. Donc, le souci, il est là. C'est que vous avez un deck certes agressif avec quelques outils de contrôle exterminés droit à la gorge, mais que vous êtes incapable de gérer plusieurs cibles. Or, plusieurs cibles, c'est exactement ce qui leur permet, eh bien, de stopper vos créatures avec menace et donc de ne pas prendre les dégâts lorsque ça vous serait bénéfique qu'ils se fassent grignoter petit à petit. Donc c'est pas si facile que ça à gérer, surtout que du coup, si vous êtes mis sur la défensive, vous êtes quasiment échec et mat. Vous avez un mineur abandonné qui ne bloque pas, vous avez un conscrit qui arrive engagé, donc qui ne bloquera pas le tour même. Les zombies créés par Giza sont engagés, donc ils n'attaqueront pas le tour même. Et voilà, généralement, on a un gros problème défensif avec le deck. Donc, on va partir en classé. Au niveau du spread de land, il y a plein de possibilités. J'en profite vite fait. Oui, vous pouvez jouer ça parce que c'est pas cher, effectivement. Vous pouvez aussi jouer Myrex. Vous pouvez aussi jouer Forge de Mishra, sait-on jamais. Vous pouvez jouer la caverne, Cavern of Souls, qui est un land mythique qui vous rend incontrable. Et eh bien, force est de constater que si vous choisissez les squelettes, vous aurez beaucoup de cartes incontrables. Et si vous choisissez les humains, vous êtes sûr de ne pas vous prendre un counterspell sur Giza. Voilà. Il y a des options, mais généralement, ça ne fait que rajouter du prix au deck. Le deck, il n'est pas très très cher de base. Il vous coûte quelques mythiques, mais vous allez voir, les jetons mythiques, c'est vraiment bah, les moins difficiles à obtenir, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai plus de jetons mythiques que de rares. Alors qu'on en obtient moins. Donc j'en utilise tellement moins que de rares que malgré le fait qu'on les obtient beaucoup moins rapidement, j'en accumule beaucoup beaucoup plus. Alors ça change très tard dans le jeu, hein. Ça se rééquilibre quand vous avez tous les bilans du jeu, tous les lands rares du jeu. Autant vous dire que au moment où ça se rééquilibre, vous n'en avez plus rien à cirer de votre collection parce que vous avez tout le jeu intégralement. Hein. Bon. Allez. On est parti, on était en event standard hier avec ce deck bleu, mais du coup on va partir en ladder, hein, en standard avec classement, avec ce petit mono noir. Hein. D'ailleurs pour ceux qui sont perdus, B pour black, et du coup
pour bleu, on ne mettra pas B pour blue, sinon c'est on se perd, on met U. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. J'étais pas sur Magic quand ça s'est décidé. Alors, nous sommes en BO1, 4 landes, c'est un petit peu beaucoup, mais on a déjà Giza dans la main. Et du coup, notre game, elle est peut-être pas si rapide que ça. Certes, on a un mineur abandonné, on peut grignoter avec, mais il faut se dire qu'avec Exterminé, si on est contre un deck plutôt rapide, on peut prendre notre temps. Et si on a ce genre de carte-là, tout à fait, ça va être intéressant parce qu'on va les forcer à, hop, se défausser d'une carte. Alors, attends. Donc, c'est d'abord n'importe quel nombre de joueurs se défausse chacun d'une carte. Ah, attendez, est-ce que j'ai déjà mal compris un truc? Se défausse chacun d'une carte. Est-ce que ça vaut le coup de me défausser d'une carte? Est-ce que ça vaut le coup là maintenant? Non, ça vaudrait le coup. Oh, les gros decks réanimateurs, d'accord. Ouais, bah, on aurait préféré l'agresser, lui, du coup. Je pense que ça va être compliqué. Ouais, du coup, c'est intéressant pour quand on a l'enchantement, parce qu'on peut volontairement mettre une carte dans notre cimetière, ce qui active l'enchantement en question. Il a Kellan, donc il va pouvoir ramp d'entrée de jeu. Les decks réanimateurs, ils sont très contents de pouvoir ramp. Moi, je peux pas l'agresser, j'ai rien à faire avec ma main. Je pense que c'est déjà fini. Je pense que c'est déjà fini. Titan de l'industrie dans le cimetière. Du coup, on l'a aidé en plus. On a mis la créa dans le cimetière. Kellan est 3-4. On peut pas faire exterminer dessus. Donc, on n'a pas de cible pour exterminer. On a un tour à vide ici. On a un tour à vide ici aussi. Ne peut pas bloquer sorcier. On va empêcher Kellan de bloquer pour continuer à mettre 2 dégâts. Mais ouais, nos chances, elles sont. Nos chances sont négatives en une fois. Hein. Nos chances sont très négatives en une fois. Je suis surpris au final qu'il fasse pas pire que ça. Parce que là, il fait que piocher, c'est mignon. Mais nous, on n'a rien fait pendant X tours. Ok, voilà, là c'est moins mignon. Oh, Piqûre Poison, ok, j'étais pas prêt pour ça. J'étais pas prêt pour Piqûre Poison ici. Ok, bon, on va jouer Giza, même si il faut pas, mais bon, n'importe quel joueur se meule, voilà, et perd un PV. Moi, je vais pas perdre un PV ici, mais oh, je découvre des synergies. Ok, je vous avoue que j'avais pas compris que ça targetait, que ça faisait un crime et que du coup ça activait Giza instinctivement. C'est bien. On apprend sur le tas. On apprend sur le tas. Donc là, il m'a demandé quoi? Il m'a demandé un enchantement. Waouh, attendez, j'ai besoin de faire un récap sur cette game. Je peux. Voilà, merci. Je voudrais voir le champ de bataille. Bon, attends. Attends, il s'est passé quoi là? C'est passé quoi? Du coup, toi, tu joues un titan de l'industrie. Titan de l'industrie, c'est une carte qui habituellement est jouée dans les decks réanimateurs. Tu voulais me jouer ça. Invocation des fondateurs. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel puis votre main, vous pouvez copier ce sort. Donc l'enchantement est monstrueux, certes. Il a pris Piqûre Poison parce qu'il voulait que je sacrifie un enchantement. Il a oublié que Titos rejoint l'équipe, c'est un enchantement. Donc il a oublié que je pouvais sacrifier Titos rejoint l'équipe au lieu de sacrifier sa bataille. Ou alors il a cru que la bataille c'était un enchantement. Et que du coup je pouvais sacrifier la bataille? Non, la bataille ça compte pas comme un enchantement. Hein. C'est la récompense de la bataille qui compte comme un enchantement, mais pas la bataille elle-même, si? Non, non, je pense pas. Elle m'a embrouillé cette game. Elle m'a embrouillé. Bon, du coup, Titos, il a une double utilité, parce que j'ai compris sur le tas. J'ai compris sur le tas que le fait de s'auto-target, ça peut être intéressant avec notre autre enchantement. Qui lui peut remonter si on est descendu ce tour-ci. Parce que si on se meule d'une carte, on met une carte dans notre cimetière, ce qui active la condition de descente. Donc si je dis pas de bêtises, ça c'est une des synergies, hein, descente. Vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Très important. Ensuite, on a le conscrit qui, pour deux, vous le renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Que si une créature non squelette est morte sous votre contrôle ce tour-ci. Oui, donc c'est.
quand même conditionnel, mais le fait de le renvoyer, ça peut synergiser avec Titos. Ce qui synergise aussi, c'est que chaque fois qu'on met une créa légendaire, du coup, on crée un crime. Et quand on met Giza, eh bien, on crée un crime immédiatement, ce qui nous permet de créer tout de suite les deux zombies. Ok. Et il est intéressant, ce deck. Les synergies sont pas compliquées. Il faut juste comprendre tout ce qui tourne. Il faut le faire bien. On va essayer de le faire mieux cette fois-ci. Là, on était un petit peu au pif. On va essayer de faire mieux, surtout que notre adversaire est autrement mieux classé. Hein. Alors, on a deux landes. C'est lui qui joue en premier. Ok, s'il joue en premier, je pense qu'on peut keep. Qu'on peut keep. On a le conscrit de culte qu'on va jouer sur le T1. On a droit à la gorge sur T2, peut-être droit à la gorge sur T3, histoire de faire durer jusqu'à Giza. On va voir ce qu'il joue déjà. Ok. Mono-red, ou une forme de mono-red en tout cas. Donc on va voir ce qu'il enchante, mais moi l'enchantement là ça me va. Je mets d'abord le conscrit avant de mettre mineur abandonné. Moi globalement l'enchantement ça va. Parce que ça me donne un meilleur droit à la gorge ensuite. Donc comme j'avais déjà prévu de faire droit à la gorge, c'est pas trop un souci. J'ai quand même lui infligé les dégâts, et là on va voir s'il essaye de développer son board ou s'il essaye d'attaquer juste avec Vivelance du monastère. Et eh bien s'il essaye juste d'attaquer, boum boum, on le tue. Il n'y a pas d'histoire. Le grabuge démoniaque va lui permettre de piocher une carte, peut-être de récupérer un autre land, parce que il a l'air en dash de land. Est-ce qu'il est vraiment en dash de land? Oh, il est en dash de land, ok. Bon, nous aussi, je dirais que la différence, c'est qu'on en a deux et qu'il en a un, et ça fait une différence majeure sur le terrain. On a trois guisants, on a quand même une main salement brique. Hein. On a une main très salement brique. Mais s'il a un land, si on lui met 6 dégâts par tour, on gagnera obligatoirement. Donc moi ça me va. On mène aussi des gars. Et ensuite il va mettre son Kumano, essayer d'équiper son Kumano avec grabuge démoniaque. Et on aura droit à la gorge en réponse à la pose de grabuge démoniaque. On va même pas attendre qu'il ait mis une autre carte. Sauf s'il la met d'abord bien sûr. Mais voilà. S'il fait ça, je peux droit à la gorge sur gravure de Kumano. Et il ne va pas piocher sur son grabuge. Vu que du coup son grabuge fizzle. Et franchement, c'est greedy. C'est greedy, surtout quand tu commences. Pour moi, tu gardes jamais une main un land quand tu commences en mono-red. J'ai pas mal joué mono-red. Pour moi, tu gardes jamais une main. Peu importe à quel point elle est bonne. Peu importe si t'as les complots démoniaques et tout. Juste une main avec un land, quand tu commences, c'est non. Quand tu commences pas et que t'es avec un deck aggro, on peut discuter. Mais quand tu commences, c'est non. Quand tu commences, c'est 100% non. Du coup, on s'est mis bien. Ça fait deux games de suite qu'on a des mains dégueulasses. Mais qu'on vole la game, c'est parfait. Moi, j'adore. J'adore ce que vous faites. Je suis un grand fan. Je suis un très grand fan. Yoshino Yumi. J'ai à la limite du top 1000. Là, par contre, j'aime bien ma main. Parce qu'on a deux cadavres des égarés. Et donc on a énormément de stats supplémentaires sur les squelettes. Donc là on va lui demander de la gestion pour le coup. S'il n'est pas très rapide, parce qu'il a le toss, c'est lui qui commence. Donc s'il est très rapide, il va nous laver la tronche. Mais s'il n'est pas très rapide, là on va discuter. En plus je suis désolé, la musique elle nous met dans l'ambiance. Ouh, le mulligan à 5. Oh le vilain mulligan à 5, ça pique. Titos. On va mettre Titos, on va mettre conscrit mineur. J'aurais peut-être pas dû mettre Titos en premier, oui. C'est probablement celui qui a le moins d'importance. Le ninjutsu.
que ouais, je peux pas bloquer le ninjutsu de toute façon. Hein. Ouais, my bad. Ok. Donc, est-ce qu'il sera plus rapide que nous? C'est ça la question. Là, j'ai sans doute perdu les gars en mettant Titos en premier, à vrai dire. Même si défensivement, c'est sympa de pouvoir bloquer la voleuse à partir de maintenant. Je pense que j'aurais pu faire la même chose un tour plus tard. Sans avoir de soucis. Bon. On va poser mineur abandonné. On va poser le conscrit de culte. Et évidemment, pas d'attaque avec Titos vu qu'il doit bloquer cette voleuse prospère. Et à partir du prochain tour, bah, c'est cadavre des égarés. Tout le monde a plus 1-0. Cadavre des égarés. Tout le monde a plus 1-0. On a 2 tokens supplémentaires. Dès qu'une créature meurt, on remonte cadavre des égarés. On rejoue cadavre des égarés. Oh. Et pour pouvoir me taper, il a été obligé de renvoyer Titos dans ma main. Donc ça fait cher parce que là, il a plus de cartes en main, typiquement, mon adversaire. Et là, bon, on peut taper à 9. Et prochain tour, on a un autre cadavre des égarés. Ils tapent tous à 4, ils ont la célérité et je peux jouer Titos en plus. Donc il y a plus de 0 sur tout le monde. Ça va piquer, hein. Ça va piquer, oui. Je suis pas sûr que le plan d'attaquer soit le bon plan. Je sais pas quelle est cette dernière carte en main, mais il va falloir qu'elle soit vachement bien, et offensivement, et défensivement. Ah. Bah ça fait plus de dégâts. Et ça fait draw, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pile poil ce dont il a besoin, parce que là... De toute façon, défensivement, il va falloir tenir la baraque, parce que j'attaque avec beaucoup de dégâts, hein. Faut jouer perturbateur en plus. Ouais, faut jouer le perturbateur en plus alors. On va jouer Titos. Et on va jouer cadavre des égarés numéro 2. Et là, bah, tout le monde tape à 4. Et lui va être obligé de bloquer avec la 5-4 et avec la 1-1 s'il veut survivre. Et j'ai pas vraiment d'intérêt à garder quelqu'un. Parce que là, il va découvrir 3 en sacrifiant la... En sacrifiant la glyphe zoétique, il va découvrir 3. S'il a de quoi faire 3 dégâts, tant pis pour moi. Si... Ah bah... Mais attends... Mais t'étais pas mort non plus, toi. Bon, attendez, je suis perdu. Oh, pardon, il était mort. Je n'ai pas compté. Oh, purée, c'est incroyable. C'est la run, je dis n'importe quoi. Ça fait quoi? Ça fait 22 minutes de vidéo. Je dis n'importe quoi depuis 22 minutes de vidéo. Je suis à 3-0. Ce deck est incroyable. Ce deck est incroyable. J'ai pas besoin de cerveau pour gagner. C'est fou. C'est fou quand même. Non, bon du coup je suis un peu bête parce que justement j'ai 2 attaquants plus, donc 4, 4 et 3 ça fait 11. Et je sais pas pourquoi dans ma tête il pouvait survivre, alors que non ça fait pile poil 11. Dans ma tête il pouvait même bloquer Titos et survivre, ouais je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'ils avaient 3. J'ai cru qu'ils avaient tous 3 et 2 d'attaque, sauf qu'évidemment bah, ça aurait été dégueulasse vu que la glyphe zoétique pouvait bloquer. Donc non, non, je suis à côté de mes pompes. Je suis à côté de mes pompes. Mais... À côté de mes pompes, peut-être. En 3-0, aussi. Et ça, c'est beau, par contre. Ça, c'est beau, par contre. Non, non, le deck, il est fun. Ah, tu vois, mais c'est pour que le public puisse s'identifier à moi. Si je suis trop fort, tout le monde, personne s'identifie, tu vois. Genre, si je traîne pendant 2 semaines sur le deck, personne peut s'identifier à moi. Par contre, si je suis une grosse nouille... Oh, la censure est passée par là. Si je suis une grosse nouille qui fait n'importe quoi toute la vidéo, ah, tu peux bien t'identifier, quoi. Bon. Est-ce qu'on se dit qu'on focus un peu? Bon, Titos rejoint l'équipe. Ok, touk touk touk. C'est un enchantement légendaire. Je pourrais en avoir qu'un sur le board. En avoir deux dans la main, c'est pas génial. D'un autre côté... ça défausse une carte adverse. Et défausser une carte adverse, c'est un peu chiant pour l'adversaire quand il a déjà mis un mulligan. Donc je pense que j'ai envie de garder ça. Je pense que dans l'idée, j'ai envie de garder ça. Il a déjà mis un mulligan, il hésite à en mettre un deuxième. S'il descend à 5 cartes,
qu'il joue un land, qu'il joue une créa, il lui reste 3 cartes en main. Si je lui en défausse une, il se retrouve à 3 cartes. Il joue un land, il joue une autre carte, il lui reste une carte en main, il a que 2 landes sur le terrain. Donc ça peut aller très très rapidement. Après, contre Mono Red, c'est moins efficace, clairement. Défausser des cartes contre Mono Red, c'est moins utile. Est-ce que j'ai envie de faire Titos rejoindre l'équipe maintenant? J'ai envie de me garder mon exterminé pour pas prendre de dégâts ici. Même si Titos rejoint l'équipe, c'est sympathique. Mono Red, c'est un de ces decks qui peut fonctionner avec peu de cartes. Du coup, les Titos rejoint l'équipe sont pas très utiles. Par contre, là, le déchiffreur de code 3-2 que je peux tuer, ça, c'est quand même goldé. Parce que là... Mais t'as pas encore perdu, mais what? C'est quoi cette vidéo? C'est quoi cette vidéo? C'est quoi cette journée? Ce matin, je me réveille, ma vie, elle est belle, et puis tout d'un coup, t'as le gamin, il a inondé la salle de bain, il y en a partout, il y a des infiltrations en bas, ça coule. Je mets des casseroles, j'arrive en retard pour enregistrer ma vidéo, je trouve un deck à l'arrache, et puis je fais n'importe quoi, et je suis en 4-0 parce que les adversaires, ils ont décidé d'encastrer leur tête dans le mur. J'en peux plus, au secours. Ouf, pardon. Excusez-moi, j'ai perdu mes nerfs. J'ai perdu mon sang-froid. Je... 4-0 Le deck de fou, 4-0. J'adore, c'est facile, en fait. C'est... Bon... On a dit c'est le gros deck tryhard qui me permet d'atteindre le top 250 fin de saison, c'est ça qu'on a dit. Hein. Bon, après, on monte pas vite. Hein. Ça monte pas vite à ce stade-ci de la saison. Hein. Bon. Genre là, on a pris 40 places en 4-0, ça veut dire qu'il faut faire 8-0 pour être 250. On a le temps de voir venir. Hein. Et le pire, c'est qu'on a joué que contre des mythiques. Hein. Imaginez si on jouait contre des gens mal classés. Bon, là, ça va être moins facile. Là, ça va être moins facile. C'est Temur, c'est non seulement un vrai deck... Carte permanent non terrain, ça c'est un terrain du coup. Ouais. Du coup, Titos le pickpocket, il m'intéresse pas trop là. Ce serait bien qu'on ait Titos rejoint l'équipe. Si on peut faire Titos rejoint l'équipe et puis Titos le pickpocket et lui mettre les dégâts et tout, c'est génial. Sinon, c'est plus compliqué. World Soul Rage qui est parti. On a beaucoup de planques. Ok, on va mettre Titos rejoint. Enfin, on va mettre Titos le pickpocket, mais on n'a pas vraiment l'utilité de le faire. Et ensuite, on va mettre Cadavre des Égarés, ça, c'est toujours bien. Giza est dur à tuer pour lui, à part mettre une grosse AOE, il n'y a pas vraiment de réponse. Moi, ce dont j'ai peur, c'est juste qu'il rampe avant que j'ai eu l'occasion de mettre Giza. Donc on va essayer ce qu'on peut, mais ouais. Bah, X égale 1, c'est pas folichon, c'est pas le rampe de l'année, mais... Écoutez, il a un land de plus, et il a géré mon Titos. D'ailleurs, c'est marrant, parce que Titos, ça fait petit os... Et c'est un squelette. Titos le squelette. Bon, 16 PV. 16 PV. En attaque de squelette, ça veut dire 5,3. Ça passe. Bon, ça par contre, en attaque de squelette, ça veut dire je t'aime pas, connasse. Ouais, je parle bien, le squelette. Alors, quand un Temur en BO1 vous fait cette sortie-là, que vous n'avez pas vraiment le contrôle du board et que vous n'avez pas de wincon en main, généralement, vous attendez de perdre. Heureusement, Nissa a récupéré Nissa et pas Analyste, parce que là, je vois Analyste, je peux m'en aller hein, dans la pratique. Vraiment, je vois Analyste, ma game, elle est terminée. J'ai deux Giza en main, mais j'ai pas vraiment de quoi les activer, donc... Franchement, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle de voir une Nissa et pas une... Très très bonne nouvelle de voir une Nissa et de pas voir une Analyste ici. Accessoirement, 11 PV, il est beaucoup plus fragile, donc là, il garde Nissa, on va voir pourquoi. Est-ce qu'il a une deuxième rage selon l'arbre monde qui, cette fois-ci, ferait beaucoup plus mal, surtout avec le mana récupéré par Nissa ensuite.
Je suis malheureusement totalement à sa merci. Je n'ai pas de Go for the Throat en main. Donc j'ai pas de moyen de tuer Nissa. Je pense qu'il espère juste ici récupérer Analyst. Et que si là il récupère pas Analyst, il est vraiment dans la merde. Mais s'il récupère Analyst ici, bah il est très bien. Et je pense que bah il va la récupérer. En tout cas, statistiquement, c'est ce qu'il a le plus de chances de récupérer. Voilà. Donc là, ça joue Analyst. Analyst dégage les trucs. Et puis ça va pouvoir ramper bah, 10 mana supplémentaires. Donc il va avoir 11 mana disponibles en plus de ce heal de je sais pas combien. Et là, si j'avais Go for the Throat, je réponds juste avec Go for the Throat sur Nissa. Il ne fait rien. Je pose un second cadavre des égarés et il est mort. Hein. Ça peut aller très vite. Mais là, du coup, on n'est pas dans ce scénario-là. On est dans le scénario où Temur fait ce qu'il a envie de faire. Et quand Temur fait ce qu'il a envie de faire, eh bien, je peux pas jouer et je meurs dans d'atroces souffrances. Le tout en essayant de meubler l'attente extrêmement longue. L'extrêmement longue du choix de ces différents lands et des différentes animations qui ont actuellement lieu pendant qu'il récupère ses 64 217 mana afin de Moteka parce que c'est compliqué de faire 20 PV quand on a un milliard de mana disponible. Est-ce que je suis salé et que je n'aime pas Temur? Peut-être. Peut-être, qui sait. Nous vivons dans un monde vaste, hein. Et puis le monde change tout autour de nous. Bon, j'ai fini de monter ma table Ikea. Est-ce qu'on peut jouer, mon cher ami? Et ah, bah, ça va pouvoir rejouer Analyst et resacrifier Analyst et refaire du coup une infinité de mana pour ensuite jouer Vertu de Force et avoir réellement une infinité de mana. Bon, je vous propose de partir de cette partie. Parce que Temur a fait du coup ce qu'il fait tout le temps et je m'en vais vous l'expliquer pour ceux qui ne comprendraient pas. Ce que Temur va faire ici du coup, ce que le vilain Temur va faire ici, eh bien c'est de me faire du coup ce sort là, hein, ce sort là qui triple le nombre de mana produit par chacun des lands et au tour d'après il va faire Rage selon l'âme du monde et je serai mort, voilà, 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 voilà. Donc pas super intéressant comme phase. Il y a même un monde où il me tuait ce tour-ci en enchaînant les analystes à chaque fois, mais bon. Que ce soit ce tour-ci ou prochain tour, il n'y avait aucune carte de mon deck qui me permettait de gagner. Donc on va espérer une sortie plus rendre dedans la prochaine fois qu'on affronte Temur. Mais Temur est un de ces decks combo qui malheureusement bah, a tendance à battre aussi les decks aggro. Au lieu de se faire écraser par ces derniers. Ce défaut chacun une carte. Bah non, du coup. Oui, la partie se défaut chacun une carte est pas très intéressante pour moi. C'est plutôt la partie n'importe quel nombre de joueurs meule chacun une carte. Ça peut m'être utile. Ok, on a vu la marche de la lumière fantasmagorique. Ce nom un tout petit peu long. Hop là. Hop. On va lui demander de se redéfausser d'une carte. Qui n'est pas hyper plaisant pour Azorius. Hein. Et on a quand même pris un confinement temporaire cette fois-ci. Donc c'est bien. Maintenant on a un problème. C'est qu'on a exterminé et droit à la gorge dans la main. Et qu'aucune de ces cartes n'est intéressante pour contrer le vilain Azorius. Par contre, l'affaire du squelette caché, là, c'est bien sympathique comme il faut. Alors, vous ne contrôlez aucun squelette suspecté. Je pense pas que j'ai envie d'activer tout de suite, mais au final, jouer exterminé sur mon propre squelette, bah, c'est probablement une des meilleures wincon possibles dans ma situation. On va poser Giza. Il n'y avait pas de counterspell le tour d'avant, on espère qu'il n'en a pas trouvé un entre-temps, et j'ai malheureusement l'impression que c'est le cas. Donc ça piquerait. Si Giza touche le terrain, s'il n'y a pas de counterspell, elle touche le terrain, Titos s'active. Et on sait que ça fait mal aux adversaires. Parce que voilà, on a déjà les squelettes qui viennent, enfin on a les zombies et gredins qui viennent. La petite meule qui est pas spécialement utile contre Azorius, mais bon, c'est toujours ça de pris. 3 coups d'avance. Il aurait pu contrecarrer Giza, il l'a pas fait.
ça alors. Il aurait pu contrecarrer Giza, il l'a pas fait. Est-ce qu'on prend un dépopulate sur le T4 du coup? C'est peut-être le cas. Ouais, vraiment, ça ne vaudrait pas la peine. Ouais. Après, un dépopulate sur le T4. Bon, un peu déçu d'avoir dû utiliser Takenouma du coup. On a le champ de vision. On a notre, notre affaire du squelette caché qui s'active, mais seulement maintenant, c'est un petit peu tard. Hop. On va activer le champ de ruine, lui retirer Mirex. S'il a envie d'activer Mirex, moi ça me fait juste une cible à exterminer sur Giza, donc c'est une très mauvaise idée. Hein. Puis là, ouais, ça va être... Ah, ça va être complexe. Hein. Azorius, ça va être complexe dans ces conditions. Ok, le cadavre des égarés. Donc ça, ça s'utilise uniquement comme un rituel. Je vais jouer autour du removal, du coup. Pas envie de... Pas envie d'y perdre trop. Et cet enchantement... Cet enchantement compte-t-il comme de quoi remonter le cadavre des égarés? Apparemment oui. Je pourrais en jouer plusieurs, hein, des cadavres des égarés. Je pourrais en jouer plusieurs des cadavres des égarés. Bon, après, Giza a tout ce qu'il y a d'intéressant, hein, évidemment, dans son kill. Je pense que ce sera quand même Giza qui va partir ici. Mais ça veut dire qu'au début de votre étape de fin, je peux payer un PV pour le remonter. Hop là. Ça veut dire que prochain tour, je pourrais réinvoquer un squelette et mettre la pression à mon adversaire. C'est cool. J'ai 7 mana, j'attendrai d'avoir 8 mana pour jouer Giza, ou alors que lui n'ait pas de mana disponible. S'il n'a pas de mana disponible, évidemment, pas de punition avec un vilain counterspell pour avoir osé jouer cette Giza, étant donné que No More Lies, ça me demande de payer 3. Donc si je peux payer 3, il n'y a pas de punition. Et ici, ce qui est bien, bah, c'est que je vais prendre Impératrice, évidemment. C'était sûr. Mais que bah, je vais l'empêcher de se soigner en utilisant Exterminer sur ma propre carte. Hop là. Je vais utiliser Exterminer sur ma propre carte. Hop là. Je veux pas qu'il se heal. Hein. C'est une guerre d'attrition. Plus je l'empêche de se heal, plus la situation va être compliquée à long terme pour lui. Et moi, faut que j'essaye de faire avec les ressources que j'ai. Si j'ai le contrôle du terrain, et surtout s'il a pas de source de heal, je peux le grignoter assez vite. Genre là, il a quand même besoin de bloquer ce squelette. Ok, on a l'affaire du squelette caché. On rappelle que les différents squelettes ont célérité en tant que cadavre des égarés sur le terrain. Donc que là, mon adversaire est quand même dans une situation plutôt délicate. Hop. Il y en a un seul qui va target l'impératrice vagabonde. J'ai pas d'intérêt à en faire plus. Je veux optimiser les dégâts que je lui inflige, évidemment. Déluge de réminiscence, ok. Donc là, il a décidé de piocher, en plus avec le flashback, donc ça lui a coûté cher. La question que je me pose, c'est est-ce que j'active mon case moi-même? Est-ce que j'active mon case moi-même? J'imagine que non. J'imagine que je peux être patient. Je vois pas trop la punition de son côté. Bon, je pars du principe que là, il a des No More Lies. Je pars du principe qu'il a peut-être des AOE. Il peut me détruire mon board. Mais s'il me détruit mon board, moi je suis toujours... Je reviens toujours à la case départ en fait, s'il me détruit mon board. Je suis pas malheureux s'il me détruit mon board. Cadavre des égarés coûte 3, donc il peut pas me le confinement temporaire.
Ouais. Ouais, je pense que confinement temporaire, c'est le seul truc vraiment chiant ici. Ce serait... Le fait que Titos parte, ce serait chiant. Le fait que Titos parte, ce serait chiant. Bah, ça voudrait dire pas d'activation immédiate de Giza. Donc si jamais il y a une réponse de son côté sur cette dernière, vous pourrez pas avoir les deux jetons de squelette qui menacent l'étal le tour d'après. Et si je pose juste Giza et qu'il la remove, bon, il perd 2 PV, mais au final, on est even dans le trade et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et encore, il perd 2 PV s'il met pas une AoE. Au final, je joue Giza, il joue Sunfall. Ça coûte exactement la même chose de son côté que du mien. Donc c'est pas plus choquant que ça. C'est bien d'avoir une game un peu réfléchie à la fin. Ok, dommage. Dommage, dommage, dommage. Dommage. C'était la punition maximale. Surtout que comme c'est exilé, ça compte pas comme une descente, donc ça active pas cadavre des égarés. C'est particulièrement gênant. Si j'ai pas un land, je suis vraiment dans la mouise. Ok, j'ai un land. Donc au moins, je peux jouer Giza. Au moins, je peux jouer Giza. Mais bah, c'est pas un squelette, Giza. C'est pas un squelette. Et j'ai aucune cible adverse pour droit à la gorge ou exterminer. Donc sans Titos, bah, j'ai pas de moyen de viser mon adversaire et d'activer Giza. Voilà, voilà. Là, le counterspell, il peut le jouer, mais de toute façon, j'ai le mana. Donc ça, c'est pas un souci. Mais je peux pas viser mon adversaire. Hein. Il me faut une créature non-artefact. Il me faut pouvoir viser mon adversaire. Évidemment, la plus grosse erreur qu'il pourrait faire, du coup, ça aurait été de jouer Mouillage Tourmenté et de l'activer. Tout comme ça aurait été de créer un jeton 2-2 sur Impératrice Vagabonde. Mais s'il fait pas ces erreurs-là, moi, j'ai pas vraiment de façon de le punir, hein, mon adversaire. C'est... Ok. Donc il m'a détruit mon enchantement. Il m'a pas détruit Giza, il a hésité sur ce qui était le plus important. Et bah il a eu raison, hein. C'était clairement l'enchant, le truc le plus important. Ok, on a Titos au-dessus du deck. On a Titos au-dessus du deck. On va rien poser sur cette Giza. On va pas attaquer avec Giza. Ouais. Non, on avait besoin de Giza Titos. Et malheureusement, nous, on est stuck, hein. N'importe quel nombre de joueurs ciblés se défausse chacun une carte. Se défausse d'une carte, à nouveau je m'en fiche. Donc quoi, on est stuck. On est complètement stuck. Fini les mensonges qui a été viré parce qu'on a trop de mana. C'est vrai que fini les mensonges à ce stade, on s'en fiche. Ok, Titos le pickpocket. Ça c'est important. Carte de permanent non terrain ciblé. Y en a-t-il seulement? Le Planeswalker? Chaque joueur ciblé meule chacun une carte et perd un PV. Vas-y, meule-moi une carte. Ça me dérange pas. Bon, en vrai, j'aurais dû vérifier avec la carte d'abord. Bon, Titos, il a un effet que s'il arrive à toucher mon adversaire, quoi. Ce qui est pas gagné, hein, vu que il va prendre Impératrice dès qu'il avance. Bon, après, mon adversaire a pas non plus de moyen de se heal jusqu'à présent. Ce qui lui complique un peu la vie. Il a pas gardé Eganjo pour contrer mon attaque de Titos. Donc on sait déjà qu'il a un moyen de le faire. Plage désertée, oui, il n'y a pas de mouillage. Il n'y a pas de mouillage, mais on sait qu'il a un moyen et c'est sans doute, voilà, c'est sans doute une Impératrice.
Anyone who harms my people must contend with me. Hop là. On va juste continuer à l'empêcher de se heal, hein. C'est l'idée principale à ce stade. Et on a malheureusement pas la 2-1 qui peut revenir du cimetière. C'est ça que j'espérais discard, malheureusement, et je me suis discard Titos, qui était un peu dommage. Je me discard la créa légendaire. C'était un peu dommage. Bon, il a 4 PV, hein. Il a 4 PV, ça va se jouer à des détails. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas joué Celestius, et s'il n'y a pas de Celestius et qu'il n'y a pas de heal dans le deck, on peut s'en sortir à très long terme. Mais là, on top deck mal aussi, il faut dire. Ouais, on top deck pas bien. Top deck pas bien. C'est ce case qu'on a perdu qui a fait mal pour le coup. Ce case qu'on a perdu qui a fait mal, ce Titos qu'on a perdu dans le confinement temporaire qui a fait mal. Et là, ce samouraï, c'est risqué de sa part. C'est très risqué de sa part, ce samouraï. Ok. Le cadavre des égarés. Que tu peux pas réellement counterspell, hein, je... Si, comme ça, effectivement. Ah ben c'est vrai que ce truc dit juste contrecarrer le sort ciblé, t'as pas de coup, donc waouh, c'est rude. Ah ouais, il jouait 2-3 coups d'avance, c'est peut-être un x4 dans son deck. Ça paraît tellement cher en vrai, mais bon. Ouais, juste le confinement temporaire pour me prendre Titos en plus. Est-ce qu'on peut encore gagner? C'est chiant, il a 4 PV. Mais en vrai, j'ai toute une partie de mon deck... j'ai toute une partie de mon deck qui est supposée être costaud dans cette situation. Qui est pas fonctionnelle, malheureusement. Actuellement, vu que j'ai droit à l'envers, quoi. C'est ces cartes-là que j'aurais voulu voir, et malheureusement, on les voit pas. Il joue Jace. Bon bah c'est terminé du coup. C'est terminé. Là je vais refuser pour garder mes cartes dans mon deck. Il va jouer le vilain Jace, et faut voir combien de Jace il a en main. Mais bon, il peut me meule 15 cartes et puis me remeule 15 cartes. Surrender every last thought to Phyrexia. Ouais, il m'a mis combien de mineurs dans le cimetière? Il m'en a mis 2. Ok, il a pas tué son Jace. Les mineurs abandonnés, si j'avais les 4 là, si j'avais les 4, il était sans doute mort. Fun fact. Vraiment, si j'avais les 4, il était mort. Mais là, je lui ai déjà retiré le mouillage. Donc rien que 2, est-ce que ça suffit? Ouais. En fait, si j'avais ça depuis le début, sa game aurait vraiment été compliquée. Sa game aurait vraiment été compliquée si j'avais ça depuis le début, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, je les ai pas depuis le début. Et là, du coup, je serais descendu. Ah, mais c'est une créature de mon squelette. Bah, du coup, c'est vrai que ça arrive quasiment jamais, le conscrit. Le conscrit, ça arrive quasiment jamais. Non, malheureusement... Ok. Je pense que j'y ai été un peu trop bourrin. Est-ce qu'il y avait des trucs à faire? Mais ouais, j'aurais attendu 1000 ans en fait pour activer mes combos. Non, il fallait... Ouais, il fallait sortir différemment entre guillemets, ou alors conserver pour faire des plus gros tours. Je vois que ça. C'est dommage parce qu'on l'a mis proche. Hein.
Ok. Du coup, discutable cette main. Je vais d'abord mettre la 2-1 avant de mettre Titos. On va voir ce qu'il joue. Ok, le mono red avec beaucoup de... Avec beaucoup de value, donc bon, la défausse d'une carte, je pense pas que ce soit super utile. Après bon, en vrai, c'est toujours ça de prix. Et on a Titos juste ici. Donc on peut lui mettre des petits dégâts. On a un start qui est cool. À toi la question, c'est on en fait quoi? Oh, ce n'était pas un mono red, ok. Bien. Ah ouais, la menace, pardon. Plus bête. Du coup, attaquer avec le conscrit, c'était pas une bonne idée. Si, parce que je dois faire mal le plus vite possible. Hein. Vas-y, jette une carte. Et jette une carte. J'aurais pu le faire jeter qu'une seule carte et jouer son déchiffre-part. C'est vrai que c'était bien aussi, ça. Ouais, non, je pense qu'on va en rester là. Parce que je pense qu'il gagnera le premier à ce rythme, hein. Donc j'ai envie d'avoir les deux créas pour bloquer, Titos avec Death Touch qui tue la vivelance du monastère. Et là, on discute. S'il me tue Titos, le renvoyer avec Takenuma. C'est quoi? C'est pour... Ok, cadavre des égarés. Ah. Du coup, là, je vais le laisser me mettre une roost, hein, globalement. Parce que si je peux lui mettre 8 ce tour-ci... Vous pouvez lancer une carte permanente du cimetière. Oui, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le mana pour. Mais bon, après, on a mis une claque, c'est déjà ça. Et pour chaque créature légendaire, ouais. Du coup, une fois que Titos est mort, ce sera nul. Là, je pense pas qu'il soit capable de me tuer avec la vivelance. Je pense pas. Grabuge, on est juste à 4. Bonjour, faut aller à 17 quand même. Donc même si tu mets tout, même si tu mets rage monstrueuse et tout, ça fait 8. Ah, il peut le sacrifier, le Madface. Waouh, t'en avais deux. Oh, du... Ok. Ah, oh, c'est moche. C'était tellement improbable, malheureusement. Parce qu'il lui fallait Mirex, hein. Il l'avait pas, hein. Ouais, c'est... Ah non, c'est brûlé. C'est un rouge, ça va. Il lui fallait pas Mirex. Il lui fallait juste un land. Non, il lui a même pas fallu le land, du coup. Non, le land, ça, il lui fallait pas. Du coup, il fallait juste Rage Monstrueuse. Ouais. Et l'épée allouée. Ok. Et j'aurais dû tirer l'info de l'épée allouée parce qu'il a un discard 1 et que c'est une carte primordiale et qu'il l'aurait pas discard s'il l'avait pas. Ah, je pensais pas me faire OTK, j'avoue. Je pensais pas me faire OTK, là. Bon, allez. On lance une petite last. Je pensais vraiment pas me faire OTK là-dessus. Mm-hmm.
Est-ce que j'aurais dû conserver mes ressources et juste invoquer depuis son cimetière avec Kitos? Je pense que ça aurait rien changé. Dans d'autres circonstances, ça peut être utile, mais pas là. Un peu bizarre cette main. Ah bah, MDR. Comme quoi tout arrive. Bonjour. Kitos rejoint l'équipe. Bon, l'avantage, c'est que mettre des cartes dans mon cimetière est pas si cher que ça généralement. Et du coup, si mon Titos touche mon adversaire, il va pas être heureux. Parce que ça veut dire que je pourrais caster le conscrit de culte chez moi. Cadavre des égarés. Est-ce que je le laisse me taper? Ah, il le garde pour bloquer, ok. Le problème, c'est que j'ai rien pour commettre un crime et ramener mineur, à part peut-être Chandrine, et encore non. C'est un terrain non base. Donc je suis juste dans l'embarras le plus profond. Et lui, il a Titos, moi pas. Donc je suis vraiment dans l'embarras le plus profond. Moi, je vais jouer une Giza, mais j'ai, entre guillemets, j'ai rien pour rendre cette Giza intéressante, quoi. Ça, c'est l'étape de fin. Ah, j'ai exterminé maintenant. Ouais, mais c'est trop tard. S'il a un removal, il peut le mettre instant sur ma Giza et je pourrais rien faire. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il a Go for the Throat? Il a pas. Oh, j'ai de la chance. Il a pas Go for the Throat. Du coup, par contre, vu qu'il a pas Go for the Throat, comment vous dire? C'est un peu toutes les fêtes du calendrier simultanément. J'ai setup ma wincon, il n'y avait pas de removal, bon bah... Ok, la Giza en réponse. Mais le problème il est là, ils sont... Hop là, alors... 3, 6, 9, 11... Je peux attaquer avec tout le monde, ils ont tous menace. Et ensuite, je peux activer Titos. Voilà. Seconde Giza, mais ce sera trop tard du coup ici. Même s'il me retire l'affaire du squelette caché, là ce sera trop tard cette fois. Enfin, non, il me le retire même pas vu qu'il me meule. Ok, on s'en sort sur une note positive à la fin. Bon, je me suis fait surprendre par les mécaniques du deck, hein. En fait, c'est sympa, mais simultanément, c'est un peu clunky. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre... Quand... Oh, une petite épique et tout, let's go. Quand tout s'enchaîne bien, c'est génial. Mais ça s'enchaîne pas bien tout le temps, et il y a plein de moments où t'es un peu en mode... Je fais quoi, là? Je suis censé faire quoi, là? Il y a un gros problème de draw, en fait. Et quand Titos est sur le terrain, ça synergise super bien avec Giza, j'étais surpris. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas Titos, Giza, ça met du temps à setup. Et si ça met du temps à setup, eh bien, il y a plein de moments où c'est pas suffisamment fort que pour gagner. Après, il y a des bonnes idées, hein, notamment le case et le fait que tu peux éventuellement ramener les créas. Mais je dirais, je sais pas, le conscrit me vend pas du rêve. Voilà, je sais pas s'il y a une version qui joue sans le conscrit, mais le conscrit me vend pas du rêve. Conscrit me vend pas du rêve. Le mineur, ça fonctionne bien. Mineur contre Azorius l'aurait vraiment fait chier pour le coup. Parce qu'en plus, je l'aurais tué à chaque fois plutôt que de le laisser exile le mineur. Donc c'est vrai que... j'aurais eu mineur dans mon cimetière. Chaque fois que j'aurais joué Titos, boum, le mineur revient, quoi.
Et ça, ça aurait été intéressant. Chaque fois que j'aurais joué Titus rejoint l'équipe, j'aurais eu le mineur. Et je pense que j'aurais pu fatiguer Azorius comme ça. Enfin, pas le fatiguer, mais on va dire épuiser ses PV. Du coup, juste le tuer, en fait. Le tuer, c'était très très bien. Le champ de ruines, bah, il est là dans le deck aussi pour trouver une façon de target du coup l'adversaire et commettre un crime et ramener le mineur abandonné. Donc, tout ça synergise très bien. C'est juste le conscrit de culte qui, lui, bah, n'activez que si une créature non-squelette est morte sous votre contrôle. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a que Giza, quoi. Du coup, quand Giza meurt pas, le conscrit, il sert à rien. Et du coup, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc ouais, à voir s'il n'y a pas une meilleure liste qui sort après le Pro Tour. Mais il y a du potentiel. C'est sympa. Je vous incite pas non plus à la crafter. C'est juste sympa, tu vois. C'est pas oh mon dieu, c'est broken. C'est juste sympa. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que à défaut de montrer une maîtrise totale, elle a été drôle. Et j'espère que ça vous aura plu de me voir être en panic roll et de rien piger à ma vie. Passez une excellente journée, c'était Ultra. Si vous avez apprécié la vidéo, petit like, petit commentaire, vous savez, la classique. On se retrouve demain. Ciao tout le monde.